Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur notre chaîne. En dessous de cette vidéo, c'est tout. S'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez pas la prochaine vidéo. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous poser une question. Qu'allez-vous réagir? Comment allez-vous réagir? Toi, ma soeur qui me regarde aussi, comment vas-tu réagir lorsque tu vas découvrir que ton copain appelle son ex? Ou bien comment toi, mon frère, vas-tu réagir quand ta copine sera en train d'appeler au téléphone son ex? Ça sera chaud, hein? Ça sera chaud. Déjà, mes frères et sœurs, regardez cette histoire. Hein. Voici cette histoire. C'est une jeune sœur qui était sortie, était allée en balade. Et au retour, là, elle entend son mari qui parle au téléphone avec quelqu'un, une inconnue. Et ce qu'il dit à cette inconnue-là, c'est comme s'il était de parler à elle-même, à elle-même plutôt, qui est sa femme, qui est sa copine. C'est pas l'affaire des copains et copines, hein. Ça même c'est dangereux. Ok, c'est une parenthèse, on va en parler. Mais il était de parler à sa copine au téléphone comme si c'était à une autre femme au téléphone comme si c'était sa copine. Hey! Quelle est arrivée là? Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a laissé tous ses bagages, tout ce qu'elle avait amené comme cadeau même pour lui là. Elle est descendue dans la chambre en force et en puissance. Voilà, ma soeur en train d'être remuée là-bas. Elle est descendue sur lui. Tu appelles qui? Donne-moi le téléphone, je veux voir c'est qui, je veux voir c'est qui. Voici, ça a commencé. Qui tu appelais? Donne-moi le téléphone, donne-moi le téléphone. Son mari ne veut pas donner le téléphone. Donne-moi s'il te plaît le téléphone. Oh, mes frères et soeurs. On ne parle pas de femme et mari, femme et truc, hein. Copine, copine, copine. Ah! Mes frères et soeurs, quelle serait votre réaction à ce moment-là? Quelles seraient vos réactions? Nous avons fait une vidéo. Nous avons dit qu'une femme, elle-même là, elle a trouvé son mari. Elle est en train de faire les choses avec une autre femme dans sa chambre. Elle n'a pas réagi du tout. Et ça a traumatisé son mari. Cherchez à savoir où est cette vidéo, si on se rebond. Peut-être nous aurons la possibilité de mettre cette vidéo en fin de cette vidéo. Mais ce témoignage est trop puissant. Contrairement à elle, cette jeune fille-là, elle, c'était la guerre. Elle voulait forcément savoir qui cette fille appelait. Quelle serait votre réaction maintenant? Dites-moi. Réagissez dans la partie commentaire. Hein. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Waouh! Voici le conseil que moi je peux vous donner. Je pense qu'il serait mieux de réagir comme l'autre fille. Mais de mener une enquête pour savoir réellement qui est l'autre femme. Et confronter son mari paisiblement. C'est-à-dire, pas dans la bagarre. Hein. Non, tu vas venir, qui tu appelles au téléphone, qui tu appelles au téléphone, machin, machin, machin. Tu peux peut-être, écoute, tu as entendu, même tu peux entrer dans la chambre tranquillement. Tu n'as pas besoin même de réagir. Tu appelles tout. Non. Moi, je pense que tu n'as pas besoin de réagir comme ça. Écoutez, nous devons réagir différemment. Différemment, ça sera mieux. Nous sommes en train de vous apprendre aujourd'hui à réagir différemment. Ouais, peut-être qu'on parle. Du genre, tu viens, tu le trouves en train de causer au téléphone. Tu viens, tu as un cadeau, tu l'as donné, tu as volé. Tu te poses, tu lui donnes une bise. Ça, tu donnes une bise à ton mari. Tranquille, comme si de rien n'était, quoi. Comme si de rien n'était. Mais en dessous, là, tu mènes une enquête pour savoir, mais. Avec qui il causait? Ou bien tu peux lui demander, tu peux lui dire, mais tu penses à faire plein même amusement. Aujourd'hui tu causes avec ta nouvelle secrétaire ou quoi. Lui-même, là, il va vous dire qu'il ne va pas. Parce que vous allez réagir différemment. Ou bien, est-ce que vous avez déjà essayé ça? Essayez ça pour voir. Et maintenant, si vous voyez qu'il ne vous dit rien, il fait comme si de rien n'était. Vous allez forcément voir qu'il y a un problème.
Vous allez voir même dans son comportement qu'il y a un problème directement. C'est lui-même son comportement là qui va vous amener à, vous poser, à lui poser d'autres questions. Et d'autres questions sur d'autres questions. Mais ne vous mettez pas à faire à bagarrer, à vous chamailler. Non. Ça, ça sert à rien. Ou bien vous allez prouver à votre mari que vous l'aimez. S'il veut vous tromper là, c'est pas ça qui va le prouver, que c'est pas ça qui va l'empêcher. Hein. Au contraire même. Vraiment, moi je vous le dis. Je préfère que vous réagissiez différemment. Ainsi, il va voir quelque chose sur vous. Il va dire franchement, un jour, elle m'a surpris en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Mais elle n'a pas réagi méchamment. Ça là, ça va marquer son esprit. Nous sommes là aujourd'hui pour vous dire, vous devez marquer l'esprit de votre mari. Marquer l'esprit de votre mari par votre comportement. Un comportement d'humilité. Une femme doit être humble. Les femmes chaud. On lui dit, oh, il faut être gangster, il faut être ceci. Je dis, non, qui vous a dit ça? Hey! Qui vous a dit ça? Même si t'as trompé, pourquoi tu vas te rébeller? Tu dois être, une femme doit être soumise. Elle doit être douceur. Toi, tu n'es pas soumise. Qui va être soumise à ta place? Ah! Soumise. Tranquille. Et même c'est dans cette position-là même que Dieu lui-même va te bénir et faire ton combat à ta place. Tu n'auras pas besoin de faire des efforts. Qu'en pensez-vous? Hé, hey, ma soeur va dire, si c'est à moi là, je ne veux pas d'aide, moi c'est la barrière directe. Ah, réfléchis bien, réfléchis. Et si tu as quelque chose à dire, tu as quelque chose encore à ajouter à cette vidéo pour nous aider à mieux développer cette vidéo, cette idée, réagis tout simplement en dessous de cette vidéo et dis-nous ce que tu en penses. Laisse un like pour nous faire savoir ce que tu as aimé. Et je vous donne rendez-vous pour une autre situation et nous allons vous tous voir comment vous allez réagir. Abonne-toi et ne manque pas cette vidéo. À bientôt.